The Beast. The Beast, c'est la centième. Putain, si ça avait été K1, j'aurais râlé. Bon, Judas, c'est un bon perso. On a beaucoup de chance sur les persos. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Tainted Lost. On n'en plaint pas. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un... En fait, ça fait au moins 20 runs ou 25 runs qu'on n'a pas vu un Tainted Lost. Beaucoup plus que les 17. Parce que normalement, c'est 1 sur 17, hein, la moyenne, en théorie. Donc il y a 17 persos. Je l'aurais vu sans mon erreur. Franchement, je sais pas. Premier degré, je sais pas. Huile de sésame. Ah voilà, bah ça c'est pareil. Graine de sésame dans le truc au miel là. Fait que des trucs bien épais et tout. Oh, c'est un bon objet ça. Je sais pas si ça va interagir bizarrement avec le Dark Arts, mais je pense pas. Je pense que le Dark Arts il stun. En fait, le bean il peut repousser les ennemis. Je vais pas prendre les pilules tant que j'ai pas un peu plus de cœur, parce que si c'est une bad trip ou une HP down, je me retrouve à un HP, je me fais one shot par un champion. Pas envie. Pas envie de tenter. Bon, je pète les cailloux là, histoire d'avoir les... C'est une bombe pour une bombe, mais... Ça teste les secrets, les super secrets et... jamais lui fait que sauter. Si, ouais. J'ai pas eu beaucoup de larmes. Hein. Le but c'est peut-être d'avoir un peu des larmes dans le Dark Arts pour faire plus de bonus. Là typiquement lui, il m'enlève un cœur je pense. Il est en forme champion. Du coup si je me retrouve à un cœur sur une bêtise avec la pilule et sur une par méga je me fais toucher, je peux perdre à B1 très connement quoi. C'est un bon perso. Ok. Survolté. Pas très utile. Il y a une salle de dés, mais j'ai pas de clé. Est-ce que j'ai envie d'une salle de dés à B1? J'ai rien à reroll. Je crois que j'ai envie d'une salle de dés. Par contre, je peux caler une bombe. Ah, j'aurais pu la mettre pour tenter la secret à gauche. En vrai. Lock up. Oui, c'est la centième, on prend les pilules. Oui, c'est comme ça. Vous allez faire. Greg Marocain m'a fait goûter des pâtisseries typiques de chez lui. Tellement sucré, j'arrive pas à finir. Ouais, ça, c'est les. Tous les. Je sais plus comment ça s'appelle, les. Les trucs sucrés, les gâteaux comme ça qui. Ils se font beaucoup après le ramadan, par exemple. Pas que au Maroc, hein, du coup, mais. T'as l'impression d'avoir une option, t'as tout un truc, plein de choses. Macroute, ça s'appelle? Ça me dit rien, je dois confondre avec un autre truc alors. Si c'est ça, ouais, tout le monde dit ça, ouais, ok. Donc c'est moi qui confonds avec un autre truc alors, my bad. Et ben les macroutes là, ou du coup macroute, je sais pas, vous dites les deux. C'est genre des assortiments de petits trucs, c'est très sucré, mais... Effectivement, t'en manges un, t'as plus faim, mais moi, je trouve ça trop bon. Typiquement, je vous dis, je préfère le salé que le sucré, mais ça... Ça, je peux. Ça, je peux tomber dans la drogue. Hein. Ah, c'est à la date. Alors, la date, je suis moins fan. Les dates... J'aime bien les dates un peu séchées. Confite. Les dates. Fraîches, je suis pas un grand fan. Mais les dates confites, j'avoue, c'est pas mal. Moi, je pensais peut-être, genre, les loukoum, possible. C'est un autre truc. Désolé hein, si je me trompe.
On fait la caca carte quand même. C'est quand même la meilleure salle, je pense. Même s'il y a déjà des caca qui sont déjà passés et tout. Koukoum, c'est turc. Ok, mais c'est quand même un peu des gâteaux comme ça. Ok, donc j'ai confondu. Pardon. Ok, ok. Non, il y a une autre grande salle en bas. Un peu gélatineux. Pas un gâteau. Un gâteau de Loukoum. Ah, c'est genre pâte d'amande un peu peut-être. Pâte d'amande, je suis pas un grand fan. Pas trop ma cam, les pâtes d'amande. Ok, donc j'ai juste je confonds quoi. C'est plutôt macroute a priori. C'est bizarre avoir dit ça. Baklava, c'était plutôt Moyen-Orient, un peu Afrique du Nord du coup. Coucou Elio. Oh bah vas-y. Prochain marqué gratos. Non, je voulais le tuer. Ah bah je l'ai quand même tué pendant qu'il était congelé. J'ai perdu un cœur entier hein, sur cette connerie par contre. Ah mais il y a full pilule là. Range down. Tears infested. Hematemesis. Bowers of steel. Bombs are hematemesis. Explosive. Nick. Après il y a digoxine. Hein. Il y a des pilules digoxine là-dedans. Pour l'instant, je suis plutôt rentable en cœur et tout. Après, j'ai perdu pas mal de vitesse, de range. Par contre, en contrepartie, j'ai perdu pas mal de range. Optimise ses louches. En plus de caca. Il l'a fait tout seul, on n'a rien dit. Non mais vous l'avez dit toutes les runs d'avant, j'étais obligé. Est-ce que je vais avoir le trinket? On a déjà un cœur bleu en tout cas. C'est la centième, faut fêter. Faut, voilà, faut avoir un peu l'esprit de la fête. Même sans le trinket, on est déjà pas mal, non? Des sous, on a eu un cœur. 10 balles. Pas dégueu. C'est moche de jeter la responsabilité sur son chat. Mais j'avais dit. J'avais dit les pilules, deux cœurs, je prends pas parce que c'est trop risqué. Mais au-delà, je peux. Ça va être long, oui. Désolé. Désolé. Et encore, j'ai eu un tears up. Grâce à mon habile choix de piffer les pilules. Là, si je m'aligne bien, je peux en toucher deux par deux parfois. Parle-nous des tomates qu'on s'occupe. Vous voulez pas que je vous parle d'un autre fruit? Que je vous choque sur d'autres fruits, quoi. Bon, les tomates, on a fait le tour. Melon? Melon overrated? Oui, je suis d'accord. Parle des kiwis. J'aime pas les kiwis. Bon, rien de spécial à dire sur les kiwis, juste je trouve ça très bon. Kiwi, on mange la pelure. Ça mange la peau, là? Mange la peau des kiwis. Kiwi à la cuillère. Oh, j'aime pas trop les kiwis. Ça, c'est très très bon. Melon sucré avec du jambon de pays. Je sais pas. En vrai, je trouve ça dommage parce que du coup, il perd le goût du jambon, quoi.
Je suis chiant, hein, mais... Je pense que j'aime pas mélanger des fruits avec des trucs. Melon dans du Porto. J'aime bien le Porto, mais j'ai jamais testé melon avec du Porto. Pour le coup, c'est un alcool que je trouve plutôt bon, le Porto. Le vin cuit, là. Ça me parle. Ça me parle. C'est parce que je suis un scorpion. J'ai fait tout le tour, et bah j'aurais même pas eu le Petrified Poop à la fin. J'aurais juste pas eu du tout. Rin. Après, j'ai quand même 63 balles. Hein. Je veux dire, on va pas se plaindre. J'étais quand même rentable dans l'opération. Ma viande, pas de végétaux, je suis Roussel. Aïe aïe aïe. Shop en prio. Avec tous mes sous là. Oui. C'est mieux en début de run quand les ennemis ont pas trop de vie, mais là. Avec qu'on peut. Pas les carottes. Carottes, c'est très bien. Carottes, c'est probablement un des meilleurs légumes qui existent parce que ça se mange avec tout. Cru, cuit. Dans plein de saisons, il y a des carottes. En vrai, les carottes, c'est le fruit OP. Enfin, c'est le légume OP parce que. Faut pas te rater avec des carottes. Après, c'est S tier pas en goût. La carotte, c'est bon. Un peu sucré. Mais c'est S tier dans le sens où tu peux le faire n'importe comment. Ce sera bon, quoi. Tu peux pas rater des carottes. Même si tu fais des carottes à l'eau qui ont pas de goût. Bah voilà, ce sera pas la fin du monde, quoi. Le melon cantaloup. J'avais testé un peu le melon cantaloup, ouais, voilà, ok. La patate. Bah, la carotte, la patate, pour moi, ça marche bien. Parce que ça, tu peux pas trop te rater. Ça pousse souvent. Enfin, je veux dire, si je devais avoir qu'un seul légume dans ma vie ever, ce serait la carotte. Je serais jamais lassé des carottes. Ah, par contre, un légume que j'adore, que je trouve vraiment, genre, trop, trop bon. C'est le panais. Le panais, c'est trop bon. Le goût du panais, c'est incroyable. Panais, meilleur truc. Quoi? Vous aimez pas le panais? Vous aimez pas le panais? Le panais, non mais le panais, c'est incroyable. La courgette, c'est très bon. Pareil, ça se mange avec tout. La courgette, c'est un bon fruit. Un bon légume, bon, j'arrête avec les fruits là. C'est un bon légume parce que ça marche tout le temps. Après, il n'y a pas autant de saisons de courgettes que genre de carottes, quoi. Mais je suis d'accord. Courgette, très bien. Rien à dire sur la courgette. Ça fait le taf, c'est efficace. Solide. Solide. Je suis en minorité sur les panais. Je comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez pas aimer les panais, c'est trop bon, quoi. Vraiment, j'adore les panais. Je trouve ça trop bon, les panais. Hein. Quand c'est la saison des panais, là, en hiver, moi, je me régale. Hein. Je passe ma meilleure vie. Hein. J'achète des panais tout le temps. Hein. Après, c'est un peu plus cher que le reste, quand même. Mais... Un avis sur le céleri? Le céleri... Faut qu'il soit bien fait, peut-être un peu genre en sauce. Le céleri, ça a un goût particulier quand même. Imaginez, il nous dit qu'il aime les blettes. J'adore les blettes. Je trouve ça trop bon, les blettes. Mais pareil, vous aimez pas les blettes? Vous aimez pas les blettes? C'est vous qui aimez rien en fait. Les cardons, j'en mange très peu parce que c'est quand même un peu spécifique. Mais les cardons, c'est genre en gratin.
Ça, le plaisir. Horrible les blettes. Mais je comprends pas. Les cardons, c'est un peu spécifique. Ouais, je comprends que les gens reconnaissent pas ou quoi, mais. Les épinards, c'est incroyable. Les épinards, insane. J'adore les épinards. Les épinards, trop bien. Ah non, je troll pas, je suis très sérieux. J'aime beaucoup tout ça. Les épinards, trop bon. Cuit, même en salade, ça se fait cru. Les épinards, j'adore ça. Les blettes, j'adore ça. Un peu poêlé là, les sauter les blettes là, miam miam. Les cardons, c'est chiant à préparer, mais après voilà, c'est très bon les cardons, je trouve. Mais j'en fais pas souvent parce que c'est quand même un peu spécifique. Et après, vous me dites, le gars, il aime pas la tomate, quoi. J'ai cité trois légumes, les gens, ils aiment pas. C'est vous qui aimez rien. Super, quoi. Notre chat qu'on mérite, hein. Encore des thunes. Après, j'ai pas eu mon shop, en vrai, je peux aller au shop. Allons au magasin. Bête à card au Québec. Pour Blette, en tout cas. Un peu hipster des légumes. Parce que j'aime les blettes. Ah, épinard, gros banger, on est d'accord. Hein. Pareil, cuit, cru, enfin, genre, épinard, genre, let's go. On voulait. Épinard, trop bien. Blettes et cardons, c'est un peu la même chose. Bah, c'est peut-être pour ça que j'aime les deux. T'aimes parce que les gens ils sont pas fans. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Mais franchement, encore les blettes, je comprends qu'on aime pas, mais. Les épinards. Bon, les épinards, je comprends pas qu'on aime pas, mais. Pour l'instant, personne a dit non. Mais c'est les panais, hein. Les panais, je comprends pas, hein. Pour moi, le panais, c'est tellement un banger. J'adore les panais, je comprends pas comment les gens aiment pas les panais. J'avoue là, mon cerveau ne comprend pas. Panais égale dentifrice. Vous écoutez? Panais égale dentifrice. Et après vous venez me dire que quand je dis que les tomates c'est surcoté, j'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai juste dit surcoté. Vous me détestez quoi. C'est comme la coriandre peut-être. Peut-être qu'il y a un gène qui transforme les panais en goût dentifrice. Et il y a 60% de la population qui a le gène dentifrice. Panais à la coriandre. Pour le coup, ça irait pas hyper bien ensemble. Mais oui, pour la vanne, c'est rigolo. Là, je peux pas. Vraiment le panais. J'adore le panais. Ah, c'est la vie, hein. Mais après, les légumes, il y a pas trop de. Vous pouvez pas. Il y a pas de raté. Hein. Je mange un peu tout. Vous pouvez me sortir des légumes plus classiques, peut-être des trucs que vous aimez. À part peut-être le chou de Bruxelles. Ah. J'aime pas trop. J'en mange. Il faut. Si j'en ai devant moi. Mais je suis pas convaincu. La tomate. Non mais la tomate c'est un fruit. C'est bon, tout le monde sait ça maintenant. Salut Crisis. Cuisine, c'est un légume. Oui, dans mon cul aussi, c'est un légume, hein. Vous m'aurez pas avec vos conneries.
suffit. Hein. Y'a que moi qui ai le droit de jouer la carte du légume. Hein. Et du fruit. Parce que ça m'arrange. J'ai le droit d'être de mauvaise foi, mais pas vous. Les lentilles farcies, premier degré, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Oh, j'adore les lentilles. Hein. Ça. Après Yougosla, les termes sont stupides, mais ce sont les termes. Ça a l'air giga chiant à faire les lentilles farcies, mais tout le chat dit que c'est incroyable. Je suppose que ça veut dire que c'est incroyable. Vraiment pas de range. Vraiment pas. J'ai pas eu mon ange. Ouais, c'est bon, chipoter. Hein. Effectivement, comme le dit le chat, si on considère en biologie, il n'y a pas de fruits, quoi. Tomate en dessert, là ? Petite tomate ? Tomate avec ton yaourt, là ? Le premier qui me sort, bah si, c'est très bien les tomates avec le yaourt. Dégage. Ça suffit. On m'a dit qu'on parlait plus des tomates. On m'a dit que je vous mettais de mauvaise humeur avec les autres fruits. Pas sûr de vouloir Gilded King. Les gâteaux à la soupe de tomates. Bah après franchement les gâteaux bon, ça me choque pas. Je sais pas genre tu fais un cake, tu mets des tomates séchées, un cake salé. Ça me choque pas. Bouquin, je save. Je vais même le proc pour avoir un Devil Deal en vrai. Ça paye, hein. Je suis pas encore à l'étage où j'ai besoin de Mother Food, mais faudra que je fasse gaffe l'étage après. Le gâteau à la tomate. Ouais, la tomate, ça peut être un peu sucré. Pareil, ça. Je trouve ça bizarre parce que j'en ai jamais mangé, mais en vrai, ça. Enfin, je veux dire, genre, tu prends le ketchup et tout, c'est fou le sucre. Ça va bien ensemble. Pourquoi pas mettre du sucre avec de la tomate sous d'autres formes. Why not? Et c'est nul à chier! Je vous le dis, c'est nul à chier. J'ai fait tout ça pour rien. Heureusement qu'il y a les robes de cérémonie. Et là, il me faut Mother Fool. Là, il va falloir Mother Fool si on veut s'en sortir. Je reviendrai peut-être le prendre à la fin de l'étage, celui-là.
pas contre un Dead Cat contre The Beast, mais là je suis full vie quoi. Oui, je suis pas un grand fan de ketchup sucré non plus, hein. Pas vous mentir. Mais disons que le ketchup et le sucre, enfin le, voilà, tomate sucrée, ça c'est pas spécialement mauvais ensemble quoi. Est-ce que je prends le Dead Cat ou pas? Après je peux le prendre parce que j'ai le bouquin aussi. Je peux vite remonter. Je le prends maintenant. Ça je peux charger mon bouquin dans l'étage. Ah, par contre, j'aurais pas utilisé tout de suite. J'aurais pu aller voir la challenge room. Ah, j'aurais pu faire. Ah, j'aurais pu faire ça aussi. Si j'avais su qu'il y avait une sac room, j'aurais pu claquer tout dans la sac room. Oui, ça remonte tranquille. Ça remonte tranquille. Batterie là, je suis pas trop nul. Oui, je remonte déjà 5 heures là. C'est bon. Les anges, ça n'arrivera pas, j'ai déjà lock mon deal. On va prendre Figure Trésor. Ça ne sert pas. Tant de thunes là. Cadeau ça. On pourrait avoir un boss rush. On pourrait avoir un boss rush sans problème. Et s'enfuir après. Oh oh. Oh là là. Est-ce que le chat aurait été le meilleur call de tous les temps? Genre là, il y a un... Il y a un gueux qui spawn au Devil Deal. C'est beau. Ok, Mazefool, je sais pas Mazefool. Il la faut absolument avant que je fasse une bêtise. Là, il n'y a pas d'arnaque. Je ne vais pas faire la run sans. Et je ne me souviens pas l'avoir vue, elle est là. Elle est là. Judas sans... Après il serait fort quand même sans sentir parce que l'objet est bien mais j'avoue. Très mal. Il a des... Il a... C'est un bon perso, il a des bonnes stats, il a tout ce qu'il faut. Bon objet de départ. Alors si j'ai un Devil Deal par contre il faudra choisir entre Devil Deal et Boss Rush.
Y a rien de foufou, hein. Ça, je pense. Comme ça, je... Bien la range. Bien la range, mon gars. Solide, hein. On se pisse sur les pieds, là. Alors là, j'ai pas le choix, faut que je teste. Oh. On sait qu'il y a digoxine dans ces pilules. Oh, le chat. Le chat. Le chat. Let's go. Trop bien. Bon, les mouches ont 6 de dégâts, hein. C'est pas non plus fumé, mais ça va rajouter. Ouais, il va carrément mieux. Carrément mieux, ça se voit. Très content d'ailleurs. Prends pas la range down. Très content, ça se voit qu'il va mieux. Et... il remange les croquettes. Juste quand il a vraiment très faim. Mais de temps en temps, il va manger les croquettes. Non, il réclame surtout de la pâtée, mais il mange avec bon cœur la pâtée. Et enfin, vraiment, genre, il est... il joue avec moi, il vient se poser et tout. Fin... il s'est complètement remis de l'opération. Maintenant... là, il n'y a plus de dents. Il s'habitue à cette partie-là de sa vie. Mais au moins, à court terme, ça va carrément mieux. Donc c'est cool. Malgré tout, il s'en sort bien. Je suis content. J'aurais pu regarder l'item, j'avoue. Un peu rapide. La gueule de mon chat? Non, bah c'est pas super parce qu'il y a plus de dents. Mais oui, c'est quand même un peu plus la forme. Hein. Là, il a été opéré et d'un coup il s'est mis à faire très chaud. Donc, c'était vraiment le pire timing quoi, genre il mangeait pas et en plus il avait chaud, du coup il mangeait pas beaucoup de base parce qu'il a chaud. C'est vraiment pas optimal. Donc là le fait qu'il soit revenu un peu à la normale, franchement je prends. Il mange pas beaucoup de croquettes. C'est pas grave. J'achèterai plus de pâté. C'est pas la fin du monde. À la limite, c'est pas plus mal parce que la pâté, ça lui fait un petit peu boire de l'eau, entre guillemets. Donc ça va aussi. Je pense que he's okay. He's okay.
casse. Je me casse. Ouais, je pourrais les mettre dans l'eau et mélanger. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé parce que je voulais voir un peu comment ils réagissaient. En fait, j'ai des croquettes molles. Et ça, je peux pas... En fait, c'est bizarre, mais les croquettes molles, je peux pas les mettre avec de l'eau. Bizarre dit comme ça, mais... Par contre, j'ai les croquettes dures et elles, elles sont beaucoup plus malléables dans l'eau. Les croquettes molles, c'est un peu genre comme du plastoc, c'est pour ça que je peux pas les mélanger avec de l'eau. Pas le bon exemple, parce que c'est pas du plastique, mais ça ressemble à la texture. Alors que les autres croquettes, c'est vraiment des croquettes. Là, je peux foutre de l'eau. J'ai plus ma carte? J'avais pas une carte? J'ai plus ma carte. Putain, pourquoi j'ai plus ma carte? C'est une carte forte, ça a été bien. Qu'est-ce que j'ai branlé? Bah, ce serait bien de trouver une autre carte. Parce que... Parce que... c'était bien la carte force. Pourquoi je l'ai plus? J'ai quoi? En premier degré, je sais pas ce que j'en ai foutu. Après, j'ai vraiment plein de vie par contre. J'ai le dead 4 plus... Je serais sûrement full vie en arrivant au boss ou presque. J'ai pas reprise, ouais, j'ai dû pas la reprendre dans la salle avec la machine. C'est sûrement ça. On va chercher d'autres cartes si jamais dans les coffres. Ah, oh, là, il y avait plus de crânes dedans. Ah, le lit, tout ça, je suis à peu près sûr d'être full vis pour ça. Si j'arrive à bien charger le bouquin, il peut avoir deux charges. Donc j'ai vraiment énormément de vie avec les dead 4 et tout. Maintenant, le combat risque d'être un peu long et chiant. On va bien finir sur la dernière. Le Dark Arts me boostera, on va partir sur ce principe-là. Dark Arts fera le taf. Ça booste les dégâts. Hein, chaque projectile ou quoi qu'on arrive à mettre dedans. La maison Dieu. La volée, c'est pas une mauvaise pilule pour moi. L'impératrice, c'est ok. Voilà. Le retour d'un peu de dégâts, c'était mieux la carte force, mais. L'impératrice, c'est pas si mal, ça donne un peu de vitesse aussi. Donc ça me... Et là voilà, les mouches que je sors avec mon dégât boosté sont... Bah, sont boostés. Donc ils ok. Bon, tout ce qui est survie, je vais pas prendre, je vais vraiment jouer la carte dégâts pour que... le combat contre The Beast soit pas trop horrible. Je pense un peu fatigué sur le stream là. On est à 6h quand même. Hein. Ah, et en fait, j'avais dit, hein, j'avais dit que je voulais monter à 100, du coup j'ai bourré un peu la streak, on n'a pas fait d'autres choses aujourd'hui. Mais c'est vrai que. On a enchaîné quand même 4 runs là, c'est la 6ème. 6ème run. 6ème run de la journée. En streak. Donc on essaie de survivre, de bien jouer. Après, j'ai eu de la chance. J'ai eu globalement des bons persos aujourd'hui. J'ai pas à monter le compteur. Sans problème. Allez, Zolora. Salutations. Qu'est-ce que tu penses des tomates? Ne réponds pas, c'est un piège. Ne réponds pas. Il y aura. J'arrive malheureusement vers la fin. Ok, encore un peu de vitesse. Un peu de range. J'ai doublé ma range là. J'ai plus que doublé ma range. Incroyable.
Je reste fiévreux de la tomate, j'avoue. Trop bon, les tomates. Rien à dire. Je n'ai absolument rien à dire. Oh, le oh, les items qui tombent à la fin là. Miam, miam. Vas-y, en vrai. Un peu plus de vitesse de tir, c'est trop bien pour le chat. Il y a eu des takes sur les tomates. Il n'y a eu aucune take sur les tomates. J'ai juste dit que c'était surcoté. C'est tout. Mais c'est très bien, c'est bon les tomates. Rien d'autre à dire. Ouais. Concentrez-vous sur, sur Dogma, s'il vous plaît. J'arrive pas beaucoup à choper les tirs. C'est un peu erratique. Je regarderai mon compte de follow ce soir, voir si les gens seront partis. Alors les lentilles farcies, par contre, je suis très très curieux. Je regarderai ce que c'est. Très envie d'en savoir plus parce que maintenant que vous me l'avez vendu, ça a intérêt à être bon par contre. Hein. Si c'est genre ok tiers bof, je vous jugerai. Hein. Mais c'est, tout le monde a dit que c'était pas mal, donc je pense qu'il y a moyen. Mais je donnerai un essai, ouais, je connais pas. Je connais pas, je ferai un petit test. T'es bon, suffit de savoir l'apprécier. Pourquoi cette phrase? C'est pas vrai. Pas bon du coup. Tu veux apprécier un gâteau à la merde? Comment on fait pour farcir les lentilles? Moi je pensais à une seringue, mais c'est pas moi l'expert. Hein. Il y en a qui aiment bien. Et vous? Quand vous est venu le goût de la merde? Tu ouvres la lentille, tu la vides et tu la farcis. La vide? Du coup tu manges pas la lentille, tu manges juste la genre la coque. Enfin, la peau. Tu manges la peau de la lentille. Si tu vides une lentille, elle existe plus. Bah ouais justement je comprends pas là du coup. Ça m'a perturbé maintenant. Comment ça des lentilles farcies? Depuis le début il me troll. Mais non apparemment c'est un vrai truc hein. On va aller sur Google après. On va chercher lentilles farcies. Si je tombe sur les recettes TikTok c'est que c'est pas un vrai truc. C'est que c'est du troll. Stream cuisine, je fais des lentilles farcies. Je stream 8 heures pour manger 8 lentilles. Trop bien, c'est opti. Des petits pois farcis avec des... Des petits pois farcis aux lentilles farcies? Genre tu farcis, t'es dans des petits pois, tu mets des lentilles farcies.
Y a des lentilles qui peuvent être assez grosses, mais même, c'est quand même très petit, quoi. Vous êtes des souris. Ils font cuire un pigeon dans un poulet dans une pintade. Putain, l'enfer. Tu farcis ton poulet avec un poulet, avec une dinde, avec... Tu t'arrêtes jamais, quoi. Tu veux faire beaucoup de layers de poulet. Comme ça, plus de... T'as pas assez de poulet, c'est genre de viande. Il me faut plus de volaille. Hein. Je vais mettre de la volaille dans ma volaille, dans ma volaille. Hein. Il me faut plus de volaille. Eh, ça va, on a pas eu les... On a eu une phase de pattern, mais il y a à peine eu le temps de la faire. Ça sent bien. Hein. Poulet, une toux dinde, une toux cochon. Ah ouais, putain, non mais là, c'est bon. À la limite, à un level, je peux comprendre, tu vois, genre tu as une dinde farcie et dedans tu mets, je sais pas, genre une caille. À la limite, je comprends, tu vois, genre un level de farce. Et déjà, c'est trop pour moi, je pense. Et à la limite, voilà. Bon. En tout cas, tomate ou pas tomate, on a été carré jusqu'à 100 victoires. 100 victoires. Incroyable. Les 100. C'est beau. C'est beau.